وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ Et rappelle, car tu n'es qu'un rappeleur. Et dans un autre, dans d'autres versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Et dans d'autres versets, وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les héritiers des prophètes après lui, qui sont les savants, puis ceux qui transmettent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont là que pour rappeler, transmettre. Mais cette transmission et ce rappel, ils ne sont pas bénéfiques à tous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il n'y a que le croyant. Le rappel, il est utile pour le croyant. Et dans l'autre verset, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Il va se rappeler celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a peur. Donc le seul qui profite du rappel, c'est التقي, النقي, المؤمن. Le mécréant, le rappel pour lui, c'est pour établir la preuve sur lui. Comme quoi il a bien entendu le rappel. Mais il n'en profite pas, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Et ici, il faut que la personne, elle s'interpelle soi-même. S'il le rappelle, ça ne l'interpelle pas, et ça ne lui est pas utile, c'est qu'il a un problème dans sa foi. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Rappelle, car le rappel, il est utile aux croyants. Donc si toi, le rappel ne t'a pas été utile, si le rappel ne t'a pas fait du bien, c'est la preuve que tu as un problème dans ta foi. Celui, quand il entend des rappels, son cœur ne bouge pas, c'est que sa foi, elle est faible. Le rappel, il est toujours utile pour le croyant. C'est une balance avec laquelle on peut mesurer notre foi. Si le rappel il nous est utile, il fait bouger nos cœurs, il nous fait nous blâmer, il nous fait nous encourage à faire mieux, nous encourage à se remettre en question, c'est que, Inch'Allah, il y a du bien. Alhamdulillah, on a un cœur vivant, il n'est pas mort. Mais si par contre, ce rappel, il nous ennuie, on le trouve rébarbatif, oh, je connais déjà tout ça, c'est que ton cœur, il est mort. Il n'est peut-être pas complètement mort, parce qu'il y a encore, alhamdoulilah, t'es un musulman, le cœur complètement mort, c'est le cœur du kafir. Mais, en tout cas, il est malade. Il est malade, il a besoin d'être soigné. Car cette maladie, si tu la laisses se répandre, elle peut amener la mort du cœur. Nassallah salam à toi, la rafia.